Une quarantaine d'ONG et de représentants de la société civile ivoirienne sont en séminaire de renforcement de capacité du jeudi 22 juillet 2021 au vendredi 23 juillet 2021 à Cocody, 7e tranche. Ce séminaire, organisé par le réseau des chambres des experts européens, département Afrique de l'Ouest, RCDAO, a enregistré lors de son ouverture le jeudi 22 juillet 2021 une conférence prononcée par Traoré Wodjofini, conseiller du ministre de l'Intérieur et de la Sécurité en charge des droits de l'homme. Dans son exposé, Traoré Wodjofini, ancien vice-président du Conseil des droits de l'homme de Côte d'Ivoire, a rappelé les 7 rôles de la société civile qui doit être, a-t-il dit, capable de faire ressortir toutes les préoccupations des citoyens. Le secrétaire général et administrateur délégué pour la Côte d'Ivoire du RCDAO, Vassidiki Diabaté, a rappelé les objectifs du séminaire. Former nos collègues ONG, permettre aux ONG et à nous-mêmes, nous, RCDAO, d'avoir un partenariat gagnant-gagnant avec les États. Puisque la société civile aujourd'hui, les ONG, sont au cœur, sont le moteur même de la démocratie. Et nous voulons que ça soit ainsi pour l'Afrique. Parce que nous sommes trop fatigués avec les conflits suite aux élections en Afrique. Nous sommes trop fatigués. Il faut qu'on anticipe. Donc c'est pourquoi nous avons pris comme priorité la prévention. Pour rappel, le réseau des chambres des experts européens département Afrique de l'Ouest est une organisation internationale non gouvernementale belge dont le siège est à Bruxelles. Le siège d'Abidjan de cette ONG a été ouvert courant juin 2021 à Cocody, les deux plateaux, 7e tranche.